Bonjour à tous, c'est Nathan du blog Investir pour réussir. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour trouver un bien rentable dans la ville de Calais. Alors, quand je parle de bien rentable, c'est un bien qu'on va emprunter à 110%, c'est-à-dire que vous empruntez la totalité du projet immobilier à la banque, donc le coût d'achat, les frais de notaire et le coût des travaux. Donc, vous avez une mensualité à rembourser tous les mois à la banque. Et cette mensualité doit être payée entièrement par le ou les locataires. D'accord ? Le loyer reçu par les locataires doit aussi payer les charges d'exploitation du bien, comme les charges de copropriété, la taxe foncière, et si vous faites gérer par une agence, les charges liées à l'agence, etc., etc. C'est comme ça qu'on va obtenir un bien qui s'autofinance au minimum, et voire même qui dégage un cash flow positif. Et en réalisant plusieurs opérations de ce type, c'est comme ça que vous allez avoir votre patrimoine qui augmente et des revenus supplémentaires qui arrivent tous les mois. Voilà, donc pour y parvenir, on va passer par 6 étapes. Donc première étape, une étude du marché de la ville de Calais. La deuxième étape, quels sont les prix et les loyers pratiqués, surtout à Calais. Troisième étape, on va sélectionner un bien à vendre pour la suite de notre étude, donc un bien actuellement sur le marché immobilier de Calais. Quatrième étape, ça va être une estimation rapide du rendement pour savoir si oui ou non on peut aller plus loin dans notre étude. Cinquième étape, ça va être le calcul des mensualités à rembourser à la banque. Comme je l'ai dit, le plus important, c'est que nos revenus soient supérieurs à ces mensualités pour avoir un bien au minimum qui s'autofinance et voir si possible avoir un cash flow positif. Et la sixième et dernière étape, ce sera l'utilisation de mon calculateur simulateur personnel que vous pouvez d'ailleurs retrouver en description. Ça va nous permettre de jouer sur différents scénarios comme une négociation plus ou moins élevée, un loyer bas, un loyer moyen, un loyer haut et sur les charges également. Voilà. Ça va nous permettre d'être plus précis en fait et d'utiliser vraiment, de se rapprocher de ce qu'on va rencontrer réellement si on investit. Ok, ben on part tout de suite pour la première étape et l'étude de marché de la ville de Calais. Donc moi, ce que j'aime bien en première information, c'est connaître le nombre d'habitants dans une ville. Et donc Calais a 73 000 habitants et une population aire urbaine de 130 000 habitants. C'est vraiment une grande ville, hein, on peut le dire, en termes de population. C'est aussi la sous-préfecture du Pas-de-Calais. Donc on va noter tout de suite les informations. Hein. 73 000 habitants. Je vous conseille de lire la page Wikipédia, hein, ça prend peu de temps pour le nombre d'informations qu'on va acquérir. Donc, le port, c'est le premier port de France pour le transport de passagers, tout simplement parce que y a la liaison avec l'Angleterre. On a aussi le tunnel sous la Manche qui passe par Calais. Et donc, on va apprendre plein de choses si on lit la page Wikipédia. Il y a toujours une partie économie aussi, toujours intéressant. On apprend que quand même le foyer fiscal calaisien est de 10 000 euros par an, soit le 20e plus faible moyenne des villes de France. Donc, c'est plutôt une ville, je dirais, avec peu de revenus. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de bonnes affaires à faire dans l'immobilier à Calais. On peut regarder aussi où ça se trouve. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément le Pas-de-Calais.
J'ai fait une vidéo sur Dunkerque il y a quelques jours. Donc on voit que ces deux villes sont vraiment rapprochées, hein. Et on est sur la côte vraiment nord, hein, de la France. On va regarder s'il y a des universités à Calais, parce que les universités, ça attire forcément des étudiants, et les étudiants sont des très bons locataires pour nous, tout simplement parce que ce sont les parents qui payent, hein, vous faites appel à des garants. Et deuxièmement, c'est que le logement, ils le laissent plutôt en bon état et ils n'essayent pas de repeindre leur chambre, ils n'essayent pas de refaire la cuisine. Ils savent qu'ils sont là pour 1, 2, 3 ans maximum. Et donc, le week-end, ils rentrent aussi chez leurs parents. Ils ne sont pas des locataires embêtants, comme on peut dire, hein. Alors, je retrouve trois universités ou campus qui ressortent. Donc l'université du littoral, Côte d'Opale, située plutôt en son centre. Alors pour connaître le nombre d'étudiants, j'ai remarqué que c'était plus efficace de taper directement dans Google le nombre d'étudiants à Calais. Ici, on a la page Wikipédia de l'Université du Littoral. D'accord, donc on parle de 10 000 étudiants. Alors, il y a plusieurs campus, hein, c'est ça. Il y a un campus à Boulogne, à Calais, à Dunkerque et Saint-Omer. Alors, le pôle de Calais, peut-être qu'on a des informations. Donc, on a des informations sur la construction du pôle de Calais, mais on n'a pas plus d'informations que ça. Alors, peut-être dans cet article. Va peut-être falloir aller directement sur le site de l'université, hein, parce qu'on ne trouve pas d'informations sur Google directement. Le campus. Ouais, c'est le même groupement qui a une antenne aussi à Dunkerque. J'étais tombé sur ce site aussi. Faudrait connaître exactement le nombre d'étudiants à Calais. Et pour le moment, on n'a pas l'information, il faudrait appeler directement l'université. Il faudrait après appeler directement l'université. Je vais mettre un point d'interrogation parce que je n'ai pas trouvé les informations. Comme je fais une vidéo qui dure déjà une durée assez longue d'environ 1 heure, je ne vais pas non plus m'attarder plus longtemps. Faudrait aller plus en détail et pourquoi pas appeler, comme je dis, directement les universités. On peut regarder le nombre d'hôtels. Ça, c'est pour ceux qui veulent faire de la location courte durée, saisonnière, Airbnb. Tout simplement, là, on voit qu'il y a des grands groupes qui se sont installés, Ibis, par exemple. Il faut savoir que ces grands groupes ont fait des études bien plus approfondies que les nôtres pour savoir s'il y avait un marché à Calais dans la location courte durée. Et donc, s'ils ont décidé de s'installer, c'est qu'il y a évidemment un marché. Donc c'est une très bonne chose qu'il y ait des hôtels et un grand nombre d'hôtels en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
Je compte à environ 17 hôtels, donc moi je pense que c'est aussi lié fortement au tunnel sous la Manche et au départ de bateau pour l'Angleterre, hein, qui attire des touristes en l'occurrence. Ok, est-ce qu'il y a un hôpital? D'accord. Alors, les hôpitaux, c'est très intéressant parce que vous allez retrouver deux types de personnes pour deux types de locations. Vous avez la location classique avec les personnes qui travaillent, les personnes soignantes, personnel médical. On les sous-estime, mais dans un hôpital, c'est souvent plus de 1000 personnes hein, qui travaillent régulièrement. Et pour les deuxièmes personnes intéressantes pour nous en tant que propriétaires, ça va être la famille des patients hospitalisés, parce que la famille va accompagner en fait le patient dans ses soins qui peuvent durer 3, 5, 10 jours. Et eux, ils vont devoir se loger à proximité de l'hôpital pour des locations courte durée, donc du Airbnb. Voilà. On va aller voir le site de l'hôpital. Ce qu'il faut retrouver donc, c'est le nombre de personnes qui travaillent et le nombre de lits. Donc, soit rechercher les chiffres clés, soit les infos pratiques, par exemple. On peut taper chiffres. Après, faut se balader sur le site, hein, faut chercher un petit peu. Alors, peut-être dans l'hôpital Técher directement, on va trouver des chiffres clés. Présentation générale, peut-être. On a les différents pôles. D'accord, c'est bien, mais on n'a pas de chiffres. On n'a pas de chiffres, donc on dirait que Calais n'aime pas trop donner de chiffres, hein, on l'a vu pour les étudiants. Il faut chercher, ça doit être écrit quelque part. Hein. C'est étonnant quand même hein, qu'on ne trouve pas ces chiffres. Je les récupère dans 99% des cas hein, quand je regarde un hôpital. Ouais, c'est vraiment bizarre, hein. L'hôpital, ça devrait être ici. Fonctionnement, peut-être. Non. Actualité, qu'on parle forcément de la crise du coco, hein, parce que je tourne cette vidéo au début du mois d'avril et on est en plein dans le confinement. Ben, on va devoir taper directement centre hospitalier Calais. Wikipédia, hein, parce que je commence à
Sinon, il faut retourner dans la page Wikipédia de Calais et taper centre hospitalier ou hôpital. L'hôpital. D'accord. On nous présente aussi les services présents dans cet hôpital, mais on n'a pas d'informations. Par contre, il a été rénové, voire créé en 2007. Du coup, ils ont détruit en 2012 l'ancien hôpital. Calais. Ah, ici, on a un nombre de lits. On a un nombre de lits de 847 lits. On n'a pas le personnel soignant. Ben on va devoir faire 100 malheureusement, hein. On va devoir faire 100. On a quand même 800 lits et donc par logique et par expérience, comme j'ai fait beaucoup d'études sur plusieurs villes et leurs hôpitaux, 800 lits c'est environ 1500 personnes hein, qui travaillent facilement. Hein. Ça fait un grand nombre de personnes potentiellement intéressées pour des locations. C'est ce qu'il faut voir. Alors, en termes de transport en commun, on va regarder la gare. Vous avez aussi une autoroute qui passe à proximité de la ville. Et la gare, il faudrait savoir si il y a le TGV, c'est le plus important. Donc oui, hein, il y a le TGV parce qu'on a le tunnel sous la Manche qui passe tout simplement à Calais. C'est plutôt intéressant. De toute façon, je pense que la ville dépend beaucoup de ce tunnel sous la Manche et de la liaison bateau aussi, hein. Bateau. Ok, bon. Après cette première étape un petit peu laborieuse parce qu'on a eu du mal à trouver quand même les informations, c'est pas très grave, hein. On va quand même passer à l'étape numéro 2 et l'estimation des loyers pratiqués à Calais. Alors, j'ai envie de m'orienter vers une colocation, même si on ne sait pas trop le nombre d'étudiants, il faut savoir qu'il y a beaucoup, enfin c'est la moitié des colocations sont composées d'actifs et la moitié d'étudiants. Donc c'est pas forcément un problème. En plus, la colocation, ça permet d'avoir un logement pour des revenus un peu plus faibles, ce qu'on a vu, et en plus on a vu qu'à Calais, voilà, les revenus étaient assez faibles pour les familles. Et donc, je pense que ça peut attirer des gens, on va voir, de toute façon, on va faire une étude. Donc pour rechercher le prix de colocation, allez sur Le Bon Coin, c'est le plus simple. Parce qu'ils ont une catégorie tout simplement colocation. Alors, Calais. Ok, catégorie colocation. Et c'est parti. Alors, on a 8 colocations actuellement. Bon, c'est vrai qu'on est aussi dans une période un peu creuse, hein, plein mois d'avril. Peu de monde recherche. Chambre meublée. Chambre meublée aussi. Alors, pourquoi on trouve 90 euros? Ah, c'est 90 euros la semaine. Ils vont aussi à la nuit. Bon, là, c'est un peu particulier. On ne fait pas de la location Airbnb. Hein.
On aurait pu complètement. C'est une possibilité aussi, mais là je voulais m'orienter vers de la colocation, je maîtrise la colocation. Et donc je voulais vous en faire partager un petit peu les petits points importants. Voilà, là on a une offre un peu plus raisonnable. Waouh, on a 150 mètres carrés, 3 salles de bain. Donc là on doit avoir beaucoup de colocataires. Hein. Donc lui, il dit qu'il recherche un étudiant obligatoirement. D'accord, bon. Ça veut dire qu'il y a des étudiants hein, qui cherchent en colocation. Hein. S'il recherche, c'est qu'il a déjà dû en avoir. 350 euros la chambre, d'accord. Par contre, on ne sait pas combien ils sont, mais ils doivent être nombreux dans 150 mètres carrés. Ici, 270 mètres carrés, colocation de 4 chambres. D'accord. Chambres ici 350 euros pour une colocation de 4 chambres près de Calais cœur de vie. Alors oui, en lisant les annonces vous allez en apprendre beaucoup sur le quartier, que ce soit avec un petit parc à côté, un musée, une place, des magasins très importants. On apprend beaucoup de choses en fait dans les annonces. Bon, je vais noter 350 euros, 4 chambres. Ok. Et ici, 360 euros ou 400 euros, ça dépend de la chambre choisie. Donc, il y a 4 chambres aussi. Je vais noter 360 euros. 4 chambres. Ok, donc on va pouvoir faire un résumé un petit peu de toutes les annonces qu'on a pu voir en colocation et on peut dire que la moyenne, à part celui-ci qui est vraiment plus bas, la moyenne c'est 350 euros par chambre. Hein, donc on va pouvoir espérer louer nos chambres 350 euros par chambre. Hein, il n'y a pas de raison. Allez, on passe à l'étape numéro 3 et la liste des biens à vendre. Donc on va sélectionner un bien actuellement à vendre pour la suite de notre étude. Et donc, comme on recherche une colocation, on va chercher des appartements de plus de 80 mètres carrés parce que j'ai envie de faire des colocations de 4 personnes hein, pour vraiment maximiser les mètres carrés et rentabiliser les mètres carrés au maximum. D'ailleurs, je vous conseille de faire des colocations à partir de 3. Hein. 2 colocs, c'est pas assez rentable hein, pour deux colocs. C'est mieux, si possible, de faire au minimum 3 ou 4 chambres, hein, vraiment. Donc nous, on va essayer de faire 4 chambres avec 2 salles de bain pour apporter un certain confort quand même à nos colocataires. Alors, pour ça, on peut rechercher aussi dans le bon coin. Cette fois-ci, on va chercher à acheter immobilier neuf. Non, pas immobilier neuf, pardon. Immobilier d'occasion ou immobilier ancien. Vente immobilière. Ah là là. Ça cafouille un petit peu sur mon site internet. Alors, vente immobilière, voilà. On va trier par surface, donc de 80 mètres carrés à 110 mètres carrés, un appartement, et on va regarder les résultats. Il y a 20 résultats qui s'affichent. On va trier par ordre de prix, parce que vraiment, la bonne affaire se fait à l'achat dans l'immobilier. Vous avez beau avoir la meilleure idée du monde, si vous achetez trop cher, vous ne serez jamais rentable. Donc, c'est très important d'acheter le plus bas possible. On va commencer par celui-ci.
Donc, 105 mètres carrés, 117 000 euros. On va noter. Cinq mètres carrés, ok. Ok. Encore un bien à 105 000 euros et celui-ci il est à 109 000 euros. On voit clairement qu'il faut tout refaire, hein. Ça, c'est dans son jus. C'est dans les années 90, peut-être que ça a été réaliser ces travaux. Mais c'est pas grave, hein. Nous, de toute façon, on doit créer sûrement une quatrième chambre, on va créer deux salles de bain, il va falloir faire des travaux, donc tant qu'à faire, pourquoi pas prendre déjà un bien qui est dégradé pour bénéficier d'une réduction déjà à l'achat. Donc on va noter, hein, 105, 109 000 euros, pardon, 105 mètres carrés. Et on en a un troisième qui est à 90 000 euros. Par contre, on n'a pas de photo. D'accord, non, mais eux, c'est juste en fait des personnes qui recherchent des biens à vendre. Donc ce sont pas, c'est pas une vraie annonce. Et donc les biens sont descendent pas en dessous des 100 000 euros quand même. Hein. On en a un autre qui a l'air vraiment sympa. Regardez cette cuisine, ça serait parfait pour une colocation, hein, ouverte, assez grande. Les charges de copropriété sont par contre un petit peu élevées, mais bon. On va noter 118 000 euros, 106 mètres carrés. Alors, ah, ça m'étonne qu'il n'y ait pas de prix plus bas en fait. Je vais aller sur le site bien ici pour comparer un petit peu les prix. En plus, j'adore ce site parce que on voit vraiment où on investit. C'est-à-dire qu'on a l'emplacement en fait du bien à vendre et ça c'est super. Bon, je vais trier par surface aussi, 80 à 110 mètres carrés, appartement. On a un bien à 80 000 euros quand même. Donc on retrouve certaines annonces hein, parce que qu'on a vu sur le site Le Bon Coin. Parce que ça agrège en fait, bien ici, agrège plusieurs sites hein, comme Se Loger, Le Bon Coin, etc. D'accord. Entrée sur séjour de 57 mètres carrés, deux chambres. Donc il va falloir quand même créer deux chambres. D'accord. On n'a pas les charges de copropriété. Mais il y a l'air d'avoir des beaux volumes, une belle hauteur sous plafond. Et il est surtout 30 000 euros moins cher. Hein. 30 000 euros moins cher, c'est énorme. En plus, on n'a même pas encore négocié. Donc, moi, j'ai vraiment envie de m'orienter sur cet appartement pour la suite. Donc, bien sûr, il va falloir... Il va falloir regarder le règlement de copropriété si c'est possible de faire une colocation. Il va falloir forcément aller sur site pour voir, enfin faire une visite pour voir si c'est possible d'aménager comme on le souhaite cet appartement, donc créer quatre chambres, deux salles de bain, etc. Certains appartements le permettront et d'autres non. Alors une petite astuce, ça va être de réduire la cuisine et la salle à manger dans la même pièce, hein. Transformer le salon existant en fait en chambre, tout simplement. Ok, bon, on va passer du coup à la quatrième étape et l'estimation rapide du rendement. Donc pour ça, on reprend le coût d'achat pour le moment sans négociation.
Les frais de notaire qui seront aux alentours de 8 à 9%, donc 7 000 euros, on va faire ça approximativement. Le coût des travaux, donc là par contre, il va falloir demander deux devis à deux artisans différents pour avoir une idée précise du montant des travaux. Nous, on va devoir faire une estimation pour notre étude. Et donc pour cette estimation, moi je conseille toujours d'appliquer 300 euros du mètre carré pour des petits travaux et 500 euros du mètre carré pour des gros travaux comme une cuisine, une salle de bain, création de chambre, voilà. Voilà. Séparation en fait, cloison isolante du bruit par exemple. Il faut compter des prix un petit peu plus élevés, enfin 500 euros du mètre carré, c'est pas mal pour une estimation. Donc là, il va falloir déjà refaire la salle de bain existante. La cuisine, on n'a pas de. On a une photo ici. C'est peut-être ça la cuisine, un peu petite hein, quand même. Je ne sais pas si on voit tout. Je vois qu'un évier. Donc il va falloir refaire la salle de bain existante, la cuisine, une autre salle de bain. Donc je compte 4 000 euros par espace. Ça nous fait déjà 12 000 euros de travaux. Plus création de deux chambres et rénovation de l'existant, hein, tout simplement. On ne va pas laisser une chambre comme ça, par exemple. Hein. Vous voyez ? Un petit coup de peinture ou un autre papier peint, tout de suite, ça va donner un effet plus jeune et neuf, tout simplement. Donc, on était déjà à 12 000 euros. Je pense qu'il faut au moins rajouter 13 000 euros pour avoir une enveloppe de 25 000 euros pour les travaux. On va partir sur 25 000 euros de travaux à la louche. Alors, ça nous donne 105 plus 7. 112 000 euros, un projet de 112 000 euros, d'accord. Par contre, on aurait des chambres qu'on pourrait louer à 350 euros et on aurait 4 chambres. Et donc, on aurait des revenus de 1400 euros. Alors, est-ce que ça respecte la règle des 1%? C'est quoi la règle des 1%? C'est savoir si un mois de loyer, en fait, donc ici 1400 euros correspond à 1% du coût total d'achat, soit ici 112 000 euros. Et ben oui, complètement, on respecte. On pourrait même aller acheter jusqu'à pour 140 000 euros et on respecterait toujours cette règle des 1%. Donc grâce à la colocation, en fait, on arrive à vraiment avoir des résultats très bons parce que là, surperformer la règle des 1%, c'est très rare. Hein. En première... première étude, sans négociation, sans rien. Et donc, ça, c'est sûr et certain, c'est grâce à la colocation. On aurait pu faire la location courte durée, acheter un immeuble ou diviser un grand appartement de studio. Ça aurait été peut-être un peu moins rentable, mais on aurait maximisé, en fait, notre rentabilité. On aurait transformé le bien pour lui apporter de la valeur et le louer plus cher. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Donc c'est très bien, on va passer à l'étape suivante. Ok. Donc on a un bien coût total 112 000 euros, un loyer estimé de 1400 euros. Il va falloir enlever 30% sur ses revenus bruts. Pourquoi ? Ben parce que déjà la banque va appliquer ce même barème. Parce qu'ils savent que vous allez avoir des charges dessus. J'en parlais au tout début de la vidéo, mais vous allez avoir des charges d'exploitation, comme la taxe foncière obligatoire, les charges de copropriété pour notre immeuble, l'assurance propriétaire non occupant, et je ne parle même pas des impôts. Hein. Donc, ils savent que ça sera au minimum 30%. Et j'oublie même les travaux à réaliser au fil des ans dans vos appartements. De toute façon, toutes ces charges, on va les revoir dans l'étape 6, l'étape suivante. Donc, on enlève 30% pour avoir une idée de ce qu'on aura réellement dans notre poche. Donc, on enlève 420 euros. 420 euros, ouais. Donc, on peut dire qu'on espère avoir 980 euros net.
Non, 140, 280, 380. Si, c'est ça, c'est ça. En première estimation, donc on espère avoir 980 euros net. On va regarder du coup combien coûterait notre crédit si on empruntait la totalité de la somme, donc 112 000 euros. Sur la durée, donc la plus longue possible pour un investissement immobilier, ça sera aux alentours de 20 ans. Pourquoi prendre la durée la plus longue? Pour avoir des mensualités les plus petites, tout simplement, parce que nous, ce qu'on recherche, c'est de gagner de l'argent tous les mois et pas dans 15 ans quand on aura remboursé notre crédit. Si vous prenez un crédit sur 10 ans, vous aurez une mensualité bien plus élevée. Et donc tous les mois, vous allez devoir mettre de votre poche pour combler le crédit. Alors c'est vrai que vous allez payer plus, enfin le coût du crédit sera plus élevé sur 20 ans que sur 10 ans, parce que les intérêts sur 20 ans seront plus gros que sur 10 ans. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ce sont les locataires qui payent ce crédit. Il faut donc utiliser l'argent des autres pour payer ce crédit. Et c'est comme ça qu'on s'enrichit, tout simplement. Ce n'est pas réellement vous qui allez payer ce coût du crédit. Pour le taux d'intérêt, par contre, n'espérez pas avoir ce taux-là. Vous allez devoir faire des efforts, hein. Vous espérez emprunter la totalité. Donc, n'espérez pas avoir le meilleur taux et visez plutôt 1,8. En ce moment, je pense qu'on peut obtenir ce taux-là. C'est ce que j'ai obtenu, moi, en tout cas, sans trop de problèmes. Le taux d'assurance. Par contre, lui, il peut être plus faible que 0,34, hein, visait plutôt 0,1. Et donc, on aurait des mensualités de 565 euros. Je vais boire un petit peu d'eau. Donc, pour savoir s'il s'autofinance, il faut savoir si le loyer paye donc les mensualités du crédit. Et là, on explose carrément les mensualités, vu qu'on espère toucher 980 euros et rembourser seulement 565 euros. Donc on est largement au-dessus et ça, c'est excellent. Et là, vous avez pratiquement 400 euros de plus tous les mois en revenus. Alors, on va passer tout de suite à l'étape 6 parce qu'il y a des charges qu'on n'a pas prises en compte ou qu'on a fait de manière approximativement, comme le barème de 30% en moins sur les revenus bruts. Donc, il est normal d'être bien plus précis quand on fait un investissement et donc d'utiliser un tableau comme le mien, tableau Excel. Donc, on a un bien de combien de mètres carrés? 100 mètres carrés. On a un prix d'achat de 80 000 euros. On en aurait pour approximativement 25 000 euros, hein, mais à faire confirmer par des artisans, très important. Les frais de notaire se calculent automatiquement. Au pire, vous pouvez aller sur le site desnotaires.fr pour avoir une idée exacte des frais de notaire que vous allez payer. Les frais de notaire, pardon, les frais bancaires facturés par la banque, c'est le dossier pour réaliser votre prêt. Ils vont essayer de vous faire payer ça 500, 700 euros. Alors, moi, je le laisse par défaut, mais essayez vraiment de le négocier à 0 euros, hein, c'est possible. Alors, la valeur du mobilier, on ne l'avait pas pris en compte au début, mais quand on fait de la colocation, moi, je vous conseille de louer en meublé, parce que vous allez créer une offre clé en main, vous allez offrir un service complet, c'est-à-dire avec un lit, un bureau, la table à manger, la vaisselle, la télé. Et donc, pour les colocataires, ça va être bien plus facile de s'installer dans votre colocation, tout simplement. Vous allez pouvoir bénéficier du régime LMNP, j'en parlerai pour la partie fiscalité. Et vous allez aussi pouvoir louer un peu plus cher parce que ben, vous fournissez un meilleur service. Et c'est aussi la garantie de trouver plus facilement des colocataires hein, en fournissant des biens de qualité. Moi, je compte 1500 euros par chambre. Donc, on est déjà à 6000 euros plus 2000 euros pour meubler la cuisine, la salle de bain, les salles de bain, la télé, le canapé, la salle à manger, etc.
Partie financement, on va essayer de tout emprunter à la banque, donc zéro apport personnel, et ça, on ne touche pas, c'est les mêmes chiffres que dans l'étape précédente. Alors, pour la partie fiscalité, ce qu'on peut oublier quand on fait un investissement, c'est la fiscalité. Je vais rappeler un petit peu comment fonctionne la fiscalité dans l'immobilier. C'est au final assez simple. Vous avez, grâce à vos revenus de salarié, grâce ou à cause de vos revenus de salarié, vous arrivez dans une tranche d'imposition qui peut être 14, 30%. Ce sont les tranches les plus connues. Imaginons que vous êtes à 30%. Et donc, ce qui veut dire que chaque euro touché grâce à l'immobilier va être taxé à 30%. Plus, il faut rajouter les prélèvements sociaux qu'on oublie souvent, mais qui sont bien présents. Donc, les prélèvements sociaux ou la CSG de 17,2%. Donc, en fait, on arriverait à 47,2% d'impôt sur chaque euro touché dans l'immobilier. Ce n'est pas chaque euro qui va dans votre poche. Parce que vous devez payer votre crédit, vous devez peut-être réparer des meubles, vous devez payer la taxe foncière, etc. Mais pourtant, chaque euro touché doit être taxé comme il se doit. Donc, ce qui est important, et c'est pour ça que je parlais du régime LMNP, donc du loueur meublé non professionnel, et je vous conseille, si vous faites vos premiers investissements, de bénéficier de ce statut. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir en fait amortir le prix d'achat sur 30 ans. Donc 80 000 euros sur 30 ans, c'est presque 2 800 euros chaque année à amortir. Vous allez aussi pouvoir amortir le prix des travaux. Ça, c'est pareil en location nue. Et vous allez pouvoir amortir la valeur du mobilier. Ça, c'est forcément pas possible en location nue. Donc la valeur du mobilier sur 6 ans en général. Ce qui veut dire que vous allez vous créer un déficit et que vous allez avoir vos revenus ici. Et donc, petit à petit, vos revenus vont rattraper ou votre déficit va être mangé par vos revenus. Et là, dans notre cas, je pense que dans 5-6 ans, enfin pendant 5-6 ans, vous n'allez pas payer d'impôts. Hein. Tout simplement, vous avez vraiment beaucoup de déficit. C'est aussi l'avantage de faire des travaux. Et du coup, vous ne payez pas d'impôts pendant 5-6 ans. Après, ça dépend vraiment de chacun. Chaque situation est différente, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y aurait une cinquantaine de cas possibles, mais le raisonnement, vous l'avez compris, avec du LMNP, si vous faites correctement la déclaration LMNP, et ben, surtout dans notre exemple à Calais, vous ne paierez pas d'impôts hein, pendant 5-6 ans. Voilà. Allez, on passe à la partie recettes locatives. Donc, on oublie aussi souvent la vacance, voilà, dans un investissement. C'est-à-dire que vos logements ne seront pas loués 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les mois de l'année. Donc, il faut prendre en compte pour de la colocation. Moi, je prends en compte un mois, comme si pendant un mois, votre logement sera vide. Donc, moi, dans mon calculateur, ça correspond à 8%. En termes de loyer mensuel, donc on espère toucher 1400 euros brut. Alors, les charges. Si vous faites appel à une agence pour gérer votre bien, ça sera entre 7 et 8% du bien. Alors, est-ce qu'on a une idée de la taxe foncière et des charges de copropriété ? Ah, j'avais même pas vu que cet appartement bénéficiait d'une terrasse en bois, en plus sans vis-à-vis. D'accord. Mais on n'a pas les charges de copropriété ni les charges de la taxe foncière. Donc ça, il va falloir les demander. C'est très important, il va falloir les demander au propriétaire. Hein. La taxe foncière peut varier vraiment d'un quartier à l'autre. Et d'une ville à l'autre, hein, surtout. Donc, je sais pas, je vais l'estimer à 700... 750 euros, c'était bien. En termes de réparation, bah vous allez avoir du mobilier à changer, vous allez avoir l'intervention d'artisans pour des réparations quelconques, mais je peux vous assurer que ça monte très vite. Donc je compte un demi-mois de loyer, ça va être le minimum par an
que vous allez devoir payer. Les charges de copropriété, on ne les connaît pas non plus, mais c'est souvent aux alentours de 1000 euros par an. Donc, je vais laisser ce chiffre. L'assurance propriétaire non occupant, pour un grand appartement, ça sera aux alentours de 200 euros. Et les frais d'entrée-sortie, si vous faites appel à une agence, moi je paye 75 euros par entrée-sortie. Et donc si on imagine deux départs par an de colocataires, ça nous ferait donc du 150 euros. Regardez près de chez vous, parce que moi c'est un tarif pas très cher. Peut-être que vous, ça sera plus cher. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces charges déductibles hein, dans mon tableau, c'est qu'on peut aussi les déduire chaque année. Donc, en plus de l'amortissement du bien, l'amortissement du mobilier et des travaux, chaque année, vous allez pouvoir amortir et donc ajouter ces charges-là en déficit. Voilà, donc vous ne créez pas du déficit la première année avec tous les travaux. Hein, vous le créez tout au long aussi de l'exploitation du bien. Après, il y a un point important, c'est savoir comment vous facturez les charges. Si vous prenez à votre compte les charges d'électricité, d'eau, internet, ou si vous laissez les colocataires s'en occuper. Moi, je vous conseille de laisser les colocataires s'en occuper. Comme ça, c'est une charge en moins pour vous. Ils se débrouillent entre eux et vous, vous êtes à part, en dehors de cet arrangement entre eux. Donc, les premiers chiffres, un rendement brut et un rendement net. Excellent. Par contre, ce qui nous intéresse vraiment, c'est le cash flow, c'est combien il y a d'argent qui rentre dans ma poche tous les mois ou combien il y a d'argent qui sort de ma poche tous les mois. Et ici, on serait à 355 euros de cash flow tous les mois. C'est vraiment excellent. Là, vous avez un bien qui se paye tout seul d'une valeur de 80 000 euros. D'accord ? Dans 20 ans, vous augmentez votre patrimoine de 80 000 euros. En plus, vous avez mis 0 euros de votre poche, hein, c'est très important. Donc, ça veut dire que vous pouvez toujours continuer à partir en vacances. Vous pouvez réagir en cas de coup dur si vous avez des frais non prévus dans votre investissement. Vous pouvez aussi investir cet argent dans d'autres véhicules d'investissement comme la bourse ou d'autres entreprises. Enfin bref, très important, vous gardez le contrôle de votre argent. Et en plus, tous les mois, vos revenus augmentent de 350 euros. C'est comme si dans votre salaire au travail, vous aviez eu une augmentation de 350 euros. Et bien, ça arrive pas souvent. Donc, c'est exceptionnel. On va enregistrer ce scénario. Le scénario un petit peu par défaut. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir des meilleurs chiffres ? On pourrait réduire les charges, d'accord ? Alors, ça pourrait être enlever les frais de gestion, arrêter de faire gérer par une agence. Ça pourrait être aussi, si on trouve un bien avec des charges trop élevées de copropriété et de taxes foncières, ça pourrait être de changer de bien, en fait, trouver un autre bien avec des charges moins élevées. Ça, c'est important aussi. Ça pourrait être aussi faire une estimation avec un loyer plus haut. Donc, on pourrait estimer louer à 360 euros, par exemple. Donc, ça nous ferait seulement 40 euros de plus par mois. Mais 40 euros de plus par mois, au final, ça fait beaucoup à la fin de l'année. Donc, et je vais enregistrer ce scénario. Je peux aussi enregistrer un scénario où on loue un peu moins cher. Hein. Peut-être que le quartier du bien... c'est pas le meilleur quartier et qu'en fait on loue peut-être à 330 euros. Donc on louerait le tout à 1320 euros. J'enregistre aussi. Loyer 330 euros, hein, c'est ça. Loyer 330 euros. Ouais. Donc, je remets le loyer par défaut donc de 350 euros par mois. Et puis, on pourrait surtout, très important, négocier le prix du bien. Hein. Imaginons qu'on négocie de 10 000 euros. J'enregistre le scénario. Et qu'on diminue encore de 5 000 euros,
c'est totalement possible hein, de négocier un prix de moins 15 000 euros. Ça se fait tous les jours, vraiment. Hop, on va comparer les scénarios grâce à mon calculateur. Voilà les chiffres du cash flow le plus important. Donc, on voit que le scénario par défaut, on est à peu près à 350 euros de cash flow par mois. Si on augmente seulement de 10 euros, on est à 389 de cash flow. Par contre, si on fait un loyer de 330 euros, donc on prend des sécurités supplémentaires aussi, en estimant un prix de loyer plus faible, on se protège comme ça. Si on n'arrive pas à louer, on sait qu'on peut aller jusqu'à 330 euros. Et ben notre cash flow baisse forcément, mais on est toujours à 286 euros, ce qui est très bien quand même. Hein, on n'est pas dans le rouge. Par contre, si on reprend un loyer de 350 euros et qu'on fait baisser le prix de 10 000 euros, et ben on est à 409 euros de cash flow. On a gagné 55 euros de cash flow tous les mois. Donc à la fin de l'année, ça fait quand même 600 euros en plus. Et si on fait baisser encore de 5 000 euros, on arrive à 435 euros. Donc il y a vraiment la possibilité d'avoir des gros rendements à Calais grâce à la colocation. Ça aurait pu être, comme je le répète, avec un immeuble de rapport, avec de la location courte durée ou de la division d'appartements par exemple. Mais la colocation, on peut voir qu'on a des chiffres excellents. Et donc ça mériterait vraiment de s'y intéresser plus. Donc si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver dans la description un lien pour télécharger ce calculateur Excel, mais aussi un lien pour télécharger un guide immobilier dans lequel je vous donne 7 astuces pour faire la bonne affaire dans l'immobilier. Si ça vous intéresse, vous pouvez mettre aussi en commentaire le nom de la ville dans laquelle vous aimeriez que je fasse le même type de vidéo. Moi, je vous souhaite de très bons investissements à Calais, mais aussi partout ailleurs. Et je vous dis à la prochaine.